Bonjour, mes frères et mes sœurs. Bonjour. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes ici dans mon place ce soir. Parce que quand nous rassemblons son nom, il coule au milieu de nous. Parce que Jésus-là est toujours avec nous, frère. Amen. Il est toujours avec nous. C'est ça, frère, c'est ça. Nous faisons dire vraiment nous penser, ni pas comment penser, mon Dieu. C'est vrai, frère. Nous pensons quelque chose. Nous pensons quelque chose pour nous, mais quelque part, il n'y a pas la volonté de Dieu. Ésaïe 55, verset 9, qui dit nous, ça, nous penser, pas comment se penser. Nous la foi, pas comment se la foi. Frères et sœurs, la parole de Dieu. Par exemple, une bonne fois, mes santé, un enfant, nous vit 20 ans, enseigne-moi. Tous les jours, nous l'avons, nous besoin de bon Dieu, enseigne-nous, parce qu'il peu importe qu'il a, on était, nous enfants, pour ça, bon Dieu. Amen. Amen. Allez, viens. La parole de Dieu, frère et sœurs, tous les jours, nous besoin de prendre, mais nous l'avons. Amen. Nous ne sommes pas capables de dire, mon finicole, la parole de Dieu, voilà. Si vous descendez, moi, de mon terre. Dans la parole de Dieu, il y en a beaucoup de choses qui cachent, frère. Si vraiment nous ne pas prier, ne pas demander à mon Dieu, éclaire-nous. Ne pas demander à mon Dieu, montrez-nous, parce que Dieu est déjà, montrez-nous, attendez-nous. Mais nous allons demander à mon Dieu, éclaire-nous pour nous comprendre. Quelque part, parfois, nous ne pas comprendre. C'est soit vous parlez de choses, frère de sœur, il n'est pas long. Mais mon père demande donc que nous soyons attentifs à la bonne parole. Que ce soit une personne âgée ou une jeune, attentif à la bonne parole qui vraiment nous pour guetter ce soir. Souvent, les fois que nous ne pouvons pas comprendre une petite chose, nous prenons nous mettons l'autre, nous ne pas comprendre. Mais nous devons demander mon Dieu éclaire-nous à parole, à propos de cette parole. Parce que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de mystères, frère. Amen. Comme il y a beaucoup, pas beaucoup. Hein. À peu près, il n'y a pas où sept mystères. Pas beaucoup. C'est pour cela que Jésus, quand il parlait, dans Matthieu 13, il y a un apôtre, il dit, pour vous autres, fils d'honneur, nous connaissons le mystère du royaume de Dieu. Le mystère, il y a peu. Il dit, pour vous autres, fils d'honneur, vous autres connaissons. Mais pour les autres, vous avez parlé à la parabole, parce qu'ils n'ont pas compris. C'est-à-dire, qui fait besoin de prendre la parabole parce qu'il y a même quelqu'un qui choisit d'autres charges, d'intelligence, d'autres comme tout. Mais c'est pour cela qu'il nous peut s'entrer dans la foi. Pour tirer, vous disiez le mot même, pour fixer l'île autour. Amen. Ma pote Paul dit, et il regarde fixé sur Jésus. Amen. Mais quand je suis là, tu n'as pas une douleur, frère. Et le regard fixé sur ces états, l'eau sur parole. Il y a besoin de fixer nos regards, l'eau sur parole. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, quand nous tiens, nous lisons nous-mêmes, frère, nous tiens nos capacités dans nous-mêmes, nous reconnaissons qu'il nous visait ça de Dieu-là. Amen. Sans lui, nous ne sommes pas capables de faire. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas capables de faire, frère. Et nous, on dit qu'il faut dire moi, tu parles concernant comment Dieu est défini. Qu'il appelle l'agneau. Mais ce soir aussi, moi, le chrétien, selon quoi, qui n'est pas mis à le dictionnaire, les dieux lui-même, il définit sa parole, laisse vraiment nous découvrir, parce que quand nous ne connaissons pas quelque chose, tout point, nous visons votre dictionnaire. Amen. Mais nous visons, fixer nos regards dans sa parole, ce qui finit dire dans Nouvelle Alliance, mais nous verrons tout dans l'Ancienne Alliance. À par rapport à ce qui bat le prophète, qui dit, amen. Le clan, là, nous n'avons pas un éclaircissement. Mais quand nous ne comprenons pas quelque chose, nous avons un dictionnaire. Ça, pour là, qui veut dire, telle affaire. Laisse le Saint-Esprit en soi, nous aussi, frère. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça, vous, Paul. Il y a une petite chose qui appelle un aliment impur. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit, hein. C'est biblique, ça. Mais il y pense concernant au peuple Israël, pas nous. Et il y a une autre petite chose qui va vous parler.
concernant la prophétie. Souvent, les gens ne pas comprendre qui ça veut dire une prophétie. Même si tu es un chrétien. Mais certains chrétiens ne pas comprendre une prophétie, mais ils demandent comment les comprendre. Et une fois, c'était la guerre, là-bas, un petit peu, un petit peu d'apocalypse. Quand tu montais qu'une étoile qui finit comme ça, l'île vient de recevoir un pouvoir, la clé de l'abîme, pour faire les puits de l'abîme. Quand il trouvait ça, elle fumait, comme elle fumait mon fournaise qui tu montais. C'est même un démon qui sort là-dedans. Là, c'est là, tu appelles moi de côté, tu vois, mais frère. Tu vois, mais tout un démon fermé, tout fermé comme un café. Mais non, c'est tout pas enfermé, quoi. C'est si tout tu enfermé. Si tout tu enfermé, tu connais la paix de la terre, frère. C'est-à-dire, il n'y a pas capable de tout ça, on va être des mots là, en liberté, il y a une partie qui ferme là, nous d'accord. Mais, si tout tu fermes, parce que quand nous sommes dans le passé, bon, pourtant, pas l'oula, on peut juste faire ressortir, quand nous sommes dans le passé, à l'époque de grand-maman, de drogue de zip, qui nous a traîné le coltor, pas tous à payer du monde, au baïsme, du chatraïsme même. Mais allez, tiki tiki, ils sortent le talon, ils viennent le mollet, le civil, ils sortent le civil, ils viennent le mollet, ils sortent, ils montent, jusqu'à. Tu comprends qu'on peut dire, mais si ça va un démon là, pas tu dis au frère, pas tu connais ce qu'on a, pas tu connais ce qu'on a fait là. Tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire, quand là, quand nous avons une faute doctrine, une faute enseignement, ben l'affaire séduction, que ça va travailler un démon là, frère. Amen. C'est ça, ma affaire prophétique, mais nous ne voyons pas quel droit, nous ne pouvons pas comprendre. Alléluia. Alors ce soir, nous rendons à la parole. Nous avons un petit, nous avons promis un terme concernant aliment. Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 11. Prenez, tu es l'hypole au peuple Israël. Pas nous, frère. Israël. Lévitique chapitre 11. Je vais t'apporter les versets. Neuf. Du lien jusqu'au 12. Pour comprendre dans tout 50 ans, bon Dieu donne la loi à son peuple, Israël. Alléluia. Lévitique chapitre 11, les versets 9 à 12. Indiquez-le. Lévitique chapitre 11, le verset 9. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les autres. Vous mangerez de tout ce qui ont des azores et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez abomination tous ceux qui n'ont pas des azores et des écailles. Parmi tout ce qui se veut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez des abominations, vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Arrête la même. Non, arrête la même. Il y a ce qui nous la gagne. Okay. Dieu parle à qui la frère? Au peuple Israël. Au peuple Israël. Hein? Dieu parle au peuple Israël. Il montrait, il donne la loi à Moïse. Il tient, voici ben, les animaux qui viennent pour manger. Ils sont dans la mer, dans la rivière. Tous les animaux qui pénètrent les écailles, les nassoirs. C'est-à-dire les nassoirs. Vous êtes navigué. Si vous payez dans ça, vous êtes comme un abominable, comme un épire,
ne pas toucher, ne pas manger. Bon Dieu quoi, au peuple Israël, pas nous, nous les païens, nous, Dieu sait que Dieu sait que nous, pareil comment ça va être l'animal là, comme ça un pire. Dieu sait que nous comme l'animal, parce qu'il ne sera pas d'accord avec moi, parce que quand une femme cananéenne, c'est un païen sa femme, tu as oublié Jésus, qui se possédait par le monde, je dis, tout connais qui tu tiens. Il n'y a pas un petit pain qui donne aux femmes pour donner des chiens. C'est un animal. Et maintenant, qui est pire? Pas vous autres, ça. Parole, pas vous autres, par rapport à nous autres, les peuples d'Israël. Quand nous pouvons définir les gestes, les écailles, les nassoirs. Ici, il n'y a pas moi. Nous pouvons dire, nous avons un discernement. Qui ça veut dire les écailles? Et les nassoirs. Le capa, il est dit seulement aussi, il faut que les écailles, les capa représentent les vêtements. Couvrir nous. Il ne faut pas rester une fois. Si vous levez votre mort, matin, vous m'en restez une. Enfin, on n'a pas coutume, non, il est bien à me sauter. Tu me dis, mais il fout son boulot. Mais là, mon compte, je vais. Mais on a besoin pour moi, mais moi, on prend 5 ans là-bas, parce qu'il est fou. Il dit, qu'est-ce qu'il n'y a pas à me sauter, frère. Pas qu'il y a une. Mais, nassoir. Alors, il est aussi libre besoin que le Saint-Esprit qui est en nous, et nous dit bien, vous devez prendre donner la parole. Mais c'est-à-dire, si nous nous pénétrons qui sont là, nous nous pire, frère. La parole de Dieu dit à nous, si elle dit qu'un pénétrant l'Esprit du Christ, il ne va pas tenir à Christ. Mais si vous ne pouvez pas tenir à Christ, vous êtes. Moi, Dieu, moi, qui tiens des amours, c'est-à-dire, vous êtes pire. Vous pénétrez l'Esprit du Christ. Maintenant, quand il parle, ça va être dit que ça, ça, ça c'est une parole des prophéties. Il parle au peuple Israël. Mais quand nous que Dieu, qui manière il définit Israël, qui manière il comprend Israël. Nous nous tendons Israël, il finit par Israël. Laisse-nous que dans le livre, Exode. Exode, chapitre 4. Exode, chapitre 4. Il y a un coup qui ça veut dire Israël. Comment Dieu lui définit Israël? Concernant l'aliment, il finit par Israël, la foi. Je connais ça concernant l'aliment, là. Quand vous êtes Lévitique 11, 10, 14, les versets premiers, il parle d'une série, d'un petit chose, aliment, qui n'utilise pas tout ça. Il tout connaît, ça. Il va prendre dans les détails, il tout connaît. Mais, elle est un grand serviteur de Dieu, frère. Tu es puissant dans la parole de Dieu. Les qui finissent vivre dans la loi des Mosaïques, les qui vivent dans la tradition des judaïques, les qui arrivent à trouver un concernant aliment là, tout cela, c'est pour une époque de réformation. Amen. Dieu vient réformer ça, petite chose. Amen. Les données, oui, pas tout ça. Mais tout cela, pour certaines époques. Amen. Et ça, qui est un homme qui dit tu se trouves le manger, à ce qu'il mange. Il va finir, ça le plein est pire, ça le plein est pire. Amen, amen. Exode chapitre 4, le verset, le verset 6, le verset 9, hein? Pour nous capables comprendre ce que ça veut dire Israël. Dieu finit par Israël là-bas. Exode 4, le verset 22. Le verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils premier-né. Amen. 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 C'est-à-dire, frères et sœurs, quand bon Dieu, tu n'as pas eu Moïse dans l'Égypte, plutôt qu'on ait un grand produit qu'il faut finir faire à travers les Moïse, là, bon Dieu donne parole qui te dit à Pharaon.
Qui dit que c'est ici la fin? Son fils? Après, premier né. Dieu définit Israël comme son fils, mon premier né. Mais tout connu, frère. Ce premier né qui s'en a, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le fils de Dieu. Mais ici, il parle qui de Dieu avec Pharaon, qui lui amène son garçon en Égypte, en dehors d'Égypte. Il parle son fils. Dieu définit Israël comme son fils. Mais sa prophétie là, frère, sa prophétie là, il fait une prophétie par l'autre de la bouche et le prophète encore, en fait. Voilà, frère, nous retrouvons comment Dieu il définit Israël comme son fils, son premier-né. Mais nous, tu connais ce premier-né, c'est Jésus, frère. Alléluia. Je vais t'en dire ici encore, frère. Alléluia. Dans les livres aussi. Osée, chapitre 11. Osée, chapitre 11. Osée, chapitre 11. Prenez, quand nous parlons de la prophétie, qui fait nous pas comprendre la prophétie, accorde-nous l'intelligence. Et Nankikan, qui est intelligent, il tombe la prophétie Esaïe. Il dit, Esaïe parle concernant Jésus. Il ne pas comprendre, il dit avec sa bouga, qui s'en a qui fait cause. Il fait cause pour lui-même, pour ça, il fait cause pour le petit monde. Amen. On comprend? Alléluia. Osée chapitre 11, nous mettons cette version encore, alléluia, les versets premiers. Quand Israël était jeune, je l'aime. J'ai appelé mon fils. Osée chapitre 11, les versets premiers. J'ai appelé mon fils au d'Égypte. Alléluia. Il montrait, frère. Israël, toi, tu sais, mais tu comprends, frère. Nous tous, nous, aujourd'hui, ça fait 11 ans. Oui. Tu veux voir, papa, ou quoi? Ça fait? Oui, je vais la suivre. Allez. Frère. Voilà, nous trouvons l'accomplissement du prophète Osée. Promener, frère. Promener, c'est Jésus. Tout ça là-bas, quand nous faisons parler le peuple d'Israël concernant aliments. Je pense, si quelqu'un est d'asseoir, il s'écarte. Il y a quelque chose qui est pire pour manger, bon, c'est pire. Mais quand on finit d'étudier sa parole, frère, moi, on doit être seul qui gagne pour manger la foi. Pas les peuples, pas Israël, pas nous aussi. Un seul qui gagne pour manger là. Et nous vous dit, alléluia. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu 2, verset 15. Et non, avant de lire verset 15, pour le peuple capable de comprendre ce qui vient de passer, laissez-nous que nous le verset, à partir du verset 13.
verset 13 jusqu'au 15. Yeah. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends les petits enfants et sa mère fuit en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, quand Exode cessera les petits enfants pour les faire périr. Joseph s'éleva, prit de lui les petits enfants de sa mère et se retira en Égypte et y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Amen. Alors, ce qui finit d'accomplir par les prophètes aussi. Fin prophétisé là, par combien bilan j'ai mis accompli dans Matthieu 2. Dans le verset Matthieu 2, 15, Osée 11, ça c'est combien ça dit là, égal, enfin, des prophètes, fin prophétisé. Là, il parle, c'est Jésus qui finit par les enfants. Quand il finit défini Israël comme son fils, son premier-né, mais c'est Jésus, quoi. C'est Jésus qui parle là, alléluia. C'est-à-dire saisi les promener les tout petits choses. Quand les gens n'ont plus de promener, quand le chien. Quand le chien n'a plus de promener. Le chien a pris le premier, le verset. Le quatrième verset là-dedans. 15. 16. Et qui gagne? Quand le chien a pris le premier, verset 15, c'est. Il est image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Quand en lui ont été créés, chapitre 16, quand en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, le visible et le invisible, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, frère, c'est Jésus qui promenait de toutes petites choses. Amen. Toutes petites choses qui sont créées par lui. Pour lui. Mais que ça m'a dit chose qui n'a pas de concernant mon aliment, un tel homme. Lui-même fait une crée ça, frère. Tout lui-même fait une crée là. Tout lui-même qui fait une crée. On est un enfant qui nous comprend, frère. Quand Dieu finit de faire la création, avant Dieu crée l'homme, il finit de créer mon animal avant, frère. On est. Il connaît l'homme pour faillir, frère. Parce que Dieu, il y a un Dieu saint, frère. C'est pour cela qu'il y porte une petite chose, un pied là, pour ne pas qu'il soit parce qu'il est saint. Il ne faut pas faire une petite chose, un pied, après moi, une crime au bon Dieu, parce qu'il est là, il est saint. Il ne faut pas mettre toute petite chose qui est mal saint. Mais frère, tout ça, petite chose là, il est même fait une crée, frère. Ce qui est un pied, il est même fait une crée. Quand nous vivons la terre là, frère, Dieu nous donne l'écho qui reste. Dans les côtes de soir, nous vivons avec tout ce qui est dans le volonté là, avec tout ce qui nous mangeait. Mais pour nous, dans les cieux, nous donne l'écho céleste. Ça, c'est un de l'écho. Alléluia. Mes frères, quand il montre nous, ça même ça qui est là, lui-même, les Dieu, l'image du Dieu invisible, lui-même, ça veut dire, frère, lui-même, tout quelque chose qui fait créé par lui-même, il promenait de toute création, tout pour lui. Mais quand nous parlons de manger là, frère, je sais que là, c'est un petit sec, quand tu peux manger là, alléluia. Nous sommes en ce moment-là, frère. Nous sommes versé la Bible encore dans les livres. Job.
Job chapitre 10. Connais, c'est Dieu lui-même qui forme nous, qui crée nous, lui-même qui fait créer toutes petites choses. C'est Job chapitre 10. Toujours dans Job chapitre 10. Les versets 8 et 7 versets. Les versets 8. Tes mains m'ont formé, elles m'ont fait tout entier et tu me détruirais. Amen. Ta main m'ont formé. Ça veut dire? Amen. La main, il parle, la main, la fait. Amen. Fait une fois au moins, et tout mon écho entier. Mais quand il parle, la main, c'est Dieu qui lui parle, la fait. Il va pas la nom. C'est Dieu qui lui parle. Mais Job, il parle son langage, frère. Il dit, ta main m'a formé. Donc, à l'antiquité, il est bon, les versets et les chapitres 33. Mais d'un coup, qui tombe, d'un coup, ici, il est en langage. Job, chapitre 33. Job, chapitre 33. Les versets 4. Job, chapitre 33, les versets 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'a mis. Amen. Ici, il dit l'Esprit de Dieu m'a créé. Là-bas, il dit la main de Dieu, ta main m'en faut. Mm-hmm. Mais si c'est un fils en langage, quand il parle la main de Dieu, quand il parle l'Esprit de Dieu, même d'affaire, frère. C'est ça qui est. Amen. Dieu m'a un Dieu physique, il donne la main comme à nous. Bon. Mais. Dieu, il disait, emploie un bel langage pour nous le comprendre. Même quelque chose qui fait passer, frère. Quand il dit, ta main m'a formé. Nous, tu connais que ça peut donner d'un frère. La main, mon Dieu, tu façonnes l'homme. Tu formes l'homme. Après, il fait mettre l'esprit dans l'homme. Même l'affaire qui fait passer, Dieu fait servir sur la main. Pour tirer un code avec Adam, pour former elle. Quand il finit, il finit bien, prendre sur la main. Et pas commencer comme ça, parler avec l'homme, il pas connu une fois. Dieu, il finit bien, former, et pour lui, rappeler, enlève-lui, amène-lui, il lève-lui, il vient lui, vers son mari. C'est la main de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, c'est même l'affaire, quoi. Il finit former, il amène-lui, vers son mari. Mais tu as là une petite affaire qu'il appelle concernant aliments, frère. Nous, frère, il y a tout ce qui nous mangeait dans la terre, frère. Quand bon Dieu finit dans la loi, femme, ce qui est dans ce qui paie dans ses cailles, paie dans la soie, ce qui rampait, pas manger, tout cela, donc, est ça comme impur. C'est-à-dire, frère, quand nous comprenons ça bien, nous tout connaissons qui finit passer dans les rues des actes à côté. Tapitis. Quand Pierre Tibi a un code colonel, c'est une première fois. Elle m'a dit qu'il y a un pire. Amen. Juste pour poster avec une première autre fois. Mais bon, tu donnes une révélation, frère. Il s'est brûlé, tu peux faire. Bon, Dieu, tu montes le Liban, ben. Tout ce qui est pire. Il y a dit manger. Mais il n'y a pas de manger. Donc, comment ça? Il y a pire. Selon la loi. Mais Dieu fait de montrer le livre, frère. Fait nous faire ce livre, fait lui comprendre. Si qu'il lui fait une déclare pire, pas qu'il y ait ça comme un pire. C'est-à-dire. Si Dieu lui fait choisir, nous, même pas rien, nous tiens pire. Dieu fait une prépare, nous fait une forme, nous. Un peu béni, frère. C'est-à-dire, pas qu'à part qu'on sait, nous, comment quelqu'un est pire. Allez, gars. Maintenant, frère.
Quand Dieu finit définit, pas mon ça une petite chose un pire là. Maman connaît beaucoup, mon mon dit c'est qui pour mon ça la fois. Frère, pareil comment Dieu finit, bon cela met fin forme ça dès qui canne là. Fin forme, elle finalement vers Adam. Nous frères, nous dans le temps des préparations frère, dans le temps des préparations dans les mois d'église, Jésus dit même il met bizarre forme nous la frère. Pour nous capables sauter dans l'impiété. Mais si je dis pas forme nous, comment nous sommes dans la foi, nous construisons un pire. Si nous venons à l'esprit bon Dieu, nous construisons un pire. Alléluia. Frère, montre-moi ici, parmi mes sœurs, qui s'en a qui vraiment quand Dieu prépare un poisson, quand vous demandez qui le servir. Vous amen? Oui, amen. Je prépare lui. Pas mon sacrifice. Qui m'a mangé? Personne ne m'a mangé. Il a préparé. Et c'est même l'affaire que Dieu fait faire. Il préparait, il disait préparer avant de manger. Pour préparer, il a servi la main. Mm-hmm. D'accord. Il a servi la main pour préparer. Après, prends-le dans l'assiette. Mais ni là-haut. La bouche est toujours là-haut. Mais ça dirait toujours là-haut, les frères. Mm-hmm. Mais quand Dieu, quand Jésus dit, il faut enlever nous, frères. Nous, nous, on va nous, frères. Mais il vous disait par à nous. Pour les nous, mais nous là-haut. Alléluia. Le quête de verset encore, après mon terminé, Esaïe, chapitre 55. Comment Dieu définit sa parole lui-même, frère? Quand nous parlons la main, quand nous parlons la bouche, Dieu n'est pas un Dieu physique. Esaïe, chapitre 55. Isaïe 55. Les versets 10. On nous fait des versets. Isaïe 55, les versets 10. Et qui gagne? 10 vers. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécond la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia, alléluia. Dieu définit l'appeler comme sa parole. Amen. Mais quand nous lisons la Bible, quand nous entendons l'appeler, quand le ciel est bizarre ouvert, mais quand le ciel est ouvert, comment nous comprenons? C'est-à-dire, ici, Dieu, c'est ainsi que vos paroles sautent dans la bouche. C'est-à-dire, le ciel est bizarre ouvert, pareil comme la bouche de mon Dieu est ouverte. Sur parole qui descend, l'appli qui descend. Mais nous comprenons que l'appli qui sort depuis du ciel, mais on va voir le dictionnaire, nous, que ça veut dire l'appli. Ici, il donne nous. L'appli, c'est sa parole. Amen. C'est-à-dire, quand on lui parlait, qui c'est sur la bouche ouverte, les cieux, il est bizarre ouvert. Et sur la main, il est bizarre drapé ou enlevé. Mais quand nous parle la main, mon Dieu, quand nous parle l'esprit, mon Dieu, c'est même l'affaire, frère. C'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est-à-dire, frère, Nous qui là, à nous parler d'une petite chose impure, si vraiment, quand nous sommes dans Ézéchiel 37, Ézéchiel a une vision, bon Dieu transporte sur l'esprit, montre-lui d'une vallée. D'une vallée, il tourne, seulement les eaux, seulement les eaux partout dans la vallée. Tant que nous montons le montant, les Maurice, nous capables tout la moitié des Maurice. Mais ça qui est tout seulement les eaux. Et c'est un fini mot. Mon Dieu, il prophétise déjà les eaux. Mais quand il fait une prophétie déjà les eaux, faites là, frère. La parole de Dieu, Dieu nous, dans l'Apocalypse, il est capable déjà. Quand il fait une prophétie déjà les eaux, ça les eaux là, il gagne la vie. Il gagne la chair. Mais quand il gagne la chair, il va mettre l'un jour.
Mais quand j'ai dit, il m'a dit, voilà frère, nous qui sommes, nous qui sommes, si vraiment nous ne partions, nous payons l'esprit, bon Dieu le nom, nous sommes un pire frère. Bon Dieu consigne, nous commandons qui gagne un pire. Nous tout connais frère. Là où sa parole là, tout le monde musulman de coince nous, de Dieu, Dieu dit, fin Dieu n'a pas encore de païen, n'a pas rentré dans une ville de Samaritain. Je dis, je ne venis pour seulement le peuple Israël. Quand il parle Israël, il définit Israël comme son fils premier-né. Nous nous partirons, frère. Mais aujourd'hui, nous faisons une retraite grâce à Jésus-Christ, grâce à l'esprit qu'il finit de payer nous à quoi faire. Frère, concernant ce même petite chose qu'il nous parlait concernant aliments impurs, il ne fallait pas que nous les bonnes personnes embêtent nous aujourd'hui, frère. Pas mon ça, pas mon ceci. La loi dit ça, frère. Je dis qu'il paye la totalité de nos dettes de ça la croix là. Je dis qu'il efface ben l'ordonnance charnelle. Nous disons nous pas libre, frère. Amen. On va finir dire, quand nous libres de la grâce, nous faisons ce qu'il en vit. Donc, frère, tout ça dans l'affaire là, c'est pour une certaine époque, jusqu'à l'époque réformation que Dieu dit pour réformer nous. Quand vous donnez sur l'esprit, quand la nous une capable, nous une capable, pire, non pas un pire frère, alléluia. Parce qu'il nous bon Dieu dit ça, frère. Alléluia. Frères et sœurs, nous qui l'avons, surtout ben jeune qui l'a, nous dans les temps de préparation, nous dans les temps d'enlèvement, frère. Veille-nous. Vive la parole de Dieu, médite la parole de Dieu pour qu'il vraiment ça. Je suis là, il est capable, prépare-nous avec toi, mais façonne-nous. Pour nous capables d'être enlevés. Parce que moi, ce qui me connaît, frère, alléluia. Ce qu'il a fait, ben, l'affaire, on y vient de montrer, ben, le poisson, un pire là, frère. Parce que nous, il y a un ben, poisson qui nous a sur le bateau. C'est pas 9 mois, là, il vient de Maurice. Il vient de Rose, il vient de Conze. Comment vous pouvez dire, comment vous expliquez ça? C'est-à-dire, c'est la même petite chose qu'un pire, nous supposons manger du pire, quand il sort dans l'année là-bas où manger du pire. Donc, nous pensons que c'est même poisson qui finit de piquer en fusil. Il y a un pire, ça, frère. Pas gagné droit, ça. Mais il nous fait rire, pourtant, frère. Mais si nous comprenons la parole là-bas, ce qu'il finit de dire, et nous restons nous avons, frère. Pas gagné droit, faire ça. Non, frère. Quand Dieu parle aux enfants Israël, c'est pour Israël, il définit Israël comme son fils. Alléluia. Voilà frère, ce que nous venons parler ce soir concernant la prophétie, nous devons comprendre bien ce qui veut dire une prophétie. Nous ne pouvons pas prendre une parole, mais dans l'autre, nous ne pouvons pas comprendre. Allez, voilà frère, pour terminer, nous sommes capables de dire quelque chose. Quand un animal vient pire, je dis la fessie, dégagez vite vite. Quand Adam fait péché, il y a là un animal vient pire. Parce que Dieu n'est pas un très animaux impurs. David, que nous tous qui Dieu crée, il pompe. C'est un pénal, rien à impur. Mais, langage bon Dieu, les frères peuvent dire, nous avons un verset ensemble, 2 Corinthiens, 8. 2 Corinthiens. Chapitre 3, verset 7. Des Corinthiens, chapitre 3, verset 7. Le mystère de l'amour gravé de l'être de pierre, a été glorieux au point que le fils d'Israël pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien qu'il ait cette gloire. Passager, bien le ministère de l'esprit, bien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de justice est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, il a été glorieux, n'est point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure.
En effet, ce qui a été passagé a été glorieux. Ce qui est permanent est plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous visons une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas le regard sur la fin de ce qui est passagé. Verset 14. Mais ils sont devenus Dieu d'entendement quand jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne l'avaient pas parce que c'est en Christ qu'il lui disparaît. Amen. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile était sur leur cœur. Qu'est-ce qu'il dit, hein? Mais lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. Le verset 17. Oh! Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Écoute ça bien. Quand Dimoun lit à l'ancien, je lis à Moïse. Quand je lis à Moïse, il y a un voile. L'autre de l'équipe. C'est-à-dire, quand nous lisons Moïse, nous trouvons la loi, nous trouvons des femmes. Nous trouvons l'interdiction. Nous trouvons quelque chose d'impire. Nous trouvons qu'il ne fallait pas faire ça, nous visons vers circoncision. Un homme, pour lui rendre dans l'assemblée de Dieu, lui visait vers la circoncision, ça va lui pour impure. La femme, pour dans l'Ancien Testament, la femme qui est impure, il n'est pas capable d'assister parmi l'homme. Et cela, parce qu'il n'est pas capable de faire la circoncision. Mais là, la Bible dit à nous tous, à Bana, quand Bana lit, il y a un voile qui l'eau, jette les cœurs. Parce que Moïse met un voile sur le visage. C'est pour cela que les frères peuvent dire, quand Dieu peut dire là, il peut dire comme ça, mon poutier, mon fils, hors d'Égypte. Pour maintenant, je trouve Israël fils là. Mais ça, c'est l'ombre. Et cela. Mais en réalité, son fils, c'est Jésus-Christ de là, s'arrête. Amen. C'est lui qui le tirait. Tout ce qui mouvement que Jésus fait, c'est un mouvement qu'il fait là-bas. C'est-à-dire qu'il tient son fils hors d'Égypte. Et là-bas, il tient Israël. Mais c'est en réalité, c'est saisi la personne-là. Et cela. Oui. Mais maintenant, quand nous les quêtes convertis à Christ, voilà l'unité. Maintenant, nous comprenons le Seigneur, c'est l'Esprit. Oui. Il ne faut pas que quand je prie, je trouve Jésus à la Bible, j'ai plaît. Ça, c'est un démon. Parce que Jésus, quand il tue la terre, il est mort. Mais l'esprit qui en lit, c'est l'esprit Dieu. L'esprit là, c'est l'esprit éternel. C'est même l'esprit qui en Paul, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est l'esprit de mes points. C'est pour cela que quand Jésus peut dire les poumons, Pierre, parce qu'il comprend sa langage, il dit, il va plaire à Dieu qui te mort, est impossible parce que Christ n'est pas mort. Et c'est là. Mais Jésus me dit à Pierre, hier de moi, tes pensées sont tes paroles, ce n'est pas la parole de Dieu. Tes pensées, ce n'est pas la pensée de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on approche avec la Bible, le voilà un frère, beaucoup dit, c'est Ricard, dit comme ça, c'est un qui a dit, la Bible, il y a beaucoup de mystères. Il dit, non, tout qui sont découverts. Non, pas tout qui sont découverts. C'est tout qui quand tu découvres la Bible, tout le monde tu connais. Quand Jésus parle en parabole, quand il parle en parabole, ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament, là-bas, quand colonne des fées qui avait le peuple Israël, mais avec par les Égyptiens qui est dans les ténèbres. C'est-à-dire, même dans sa colonne des fées là, les fées l'éclairage pour le peuple Israël, mais pour l'adversaire, il fait la nuit. Et c'est vrai. Ça même quand Jésus parlait, ben, tu dis, mais qui peut te prendre en parabole pour ne pas comprendre? Il dit, le mystère du royaume, il est pour eux. Mais à eux, parabole reste parabole. La Bible pose parabole, tout mystère. C'est pour dire où là, frère?
Hibou, c'est Jésus-Christ. Serpent, c'est Jésus-Christ. Paradis, non, serpent, Satan. Serpent ancien, ça qui Satan. Mais, quand Moïse il prend ce bâton, c'est en bas qui est mini. Tout ce mouvement-là, ce n'est pas une révélation qui vous a gagné. Vous avez gagné une révélation, ce qui Dieu dit. Amen. Nous tout une révélation. Mais est-ce qu'il y a une révélation là, ce qui Dieu veut dire? Dieu dit à Moïse qui donne à la main. Mon bateau. Il dit à ce bâton-là. Quand il y a ce bâton-là, qui bâton est venu? Mais qui fait quand il trouve bâton, il ne sait pas qu'il y fait. Dégagez. Il est sauvé. Mais. Bon Dieu, il n'y a pas besoin de faire, mais trappe-lui pas. Tout mouvement dans la Bible. Ça, il dit, il y a pour dire, il y a un opéra dans le mystère. Mais mystère, ça. Ça bâton là, là. Bâton qui en Moïse représente Jésus. Quand Jésus, c'est-à-dire, Moïse représente Israël. C'est-à-dire le peuple, pas le juif. Bâton là représente Jésus. Quand bâton là, c'est-à-dire quand Jésus pour venir devant un juif. Ban script, banan pour fouiller Jésus. Parce qu'ils ont pour perdre Jésus. Parce qu'ils ont tout Jésus pour eux, c'est le mal. Cependant, Jésus bâton là par la quai, c'est-à-dire, prends-lui condamné, c'est-à-dire, prends-lui par ruse, c'est-à-dire par la queue. Pas lui trappé devant. Et cela. C'est-à-dire, prends-lui par la quai, c'est la crucifixion. Libre et libre. Cependant, Moïse fait une autre action encore. Dieu t'a dit, prends de la main que vous mettez dans ton sein. Il y a une tient sur la main qui n'est là. Nous disons ça ici. Hein. Capté qui disait, quand il tient sur la main qui ne trouvait. Hein? L'allée. Qui tient t'a dit? Remette la main. Quand il tient sur la main qui était. Sur la main, hein, guéri. Qui nous dit ça? Nous disons ça. Là, tu peux montrer nous. C'est-à-dire, Jésus sur la main, c'est Jésus. Jésus qui a tiré. Jésus là, c'est, il représente l'amour. La lèpre représente l'amour, le péché. Mais quand il remettit, c'est la résurrection. Dans tout ça, là, c'est langage. Bon, Dieu, si nous ne pas comprendre, mais pourquoi il fait cause à notre monde, il fait faire notre affaire. Quand tu as plaqué, c'est-à-dire que pour livrer, que pour crucifier, il met devant Israël. Tout le temps quand Jésus peut prêcher, qui ou tout le juif fait, tout le temps je effrayé devant lui. Tout le temps, il n'y a pas de race de vipère. Ce père sa présence. Parce qu'il s'est dit ça. La Bible dit à nous, Moïse dit, de même, la Bible dit comment Moïse fut élevé les serpents dans le désert, de même le fils de Dieu vient être élevé. Mais serpent, l'aucune me dit. Il me dit un petit bois, une perce. Et en qui me fait un serpent là? En les reins. Les reins représentent les gisements. Quand Jésus pour élever, c'est dit les gisements. C'est les gisements, bon Dieu, pour ton lobby. Je vais comprendre comment il passait. Tout qui se passe, c'est un mystère. Comment les frères peuvent dire ça, les cailles, ça va de choses là. Je dis. Alors, avec un adventiste, il y a dit si mon poisson est dans les cailles. Qui bougez-vous? Est-ce qu'un adventiste mange poisson est dans les cailles? Pas dans les cailles. Est-ce qu'il mange? Pas diamant, pas trop patrocier. Est-ce qu'ils ont connu un adventiste? Pas mange pauvre, pas mange ovite, pas mange. Est-ce qu'ils ont connu? Je sais, elle connaît. C'est-à-dire, lui, quand il y a la Bible, il y a encore voilé. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire, amen. Chapitre 4, des Corinthiens, chapitre 4, toujours là-dedans. Chapitre 4. Verset 3. Si notre évangile est encore, il est voilé pour ceux, pour les incrédules, dont les dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Afin qu'il ne vit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. C'est-à-dire,
Les dieux de ce siècle a déglé Bandjimoun. Quand je dis, je ne pas comprendre. C'est ça qui arrive là. Je dis à lui, je ne veux pas comprendre l'aveuglement. Un aveuglement spirituel. À cause de ça même, il ne faut pas qu'on ait quand nous vous faire dire. Je vous explique la vision que le roi des quatre des ans finit de recevoir. Je ne peux pas vous faire dire ici. Il y a une grosse statue, écoute ça bien. Il trouve une grosse statue dans son rêve. Mais seulement il brille, là. Par hasard, Dieu même fait lui briller. Il fait un rêve, après oublier, il va faire un rêve, il n'a pas oublié. Il y a grand matin, moi je ne peux pas trop connaître, mais ici il fait un rêve, il brille. Seigneur dit maintenant, mais viens explique-moi, Mourir. Il prend tout ce qui est la connaissance. Viens explique-moi, Mourir. Maintenant, il dit, les rois, explique ton rêve, nous donne l'interprétation. Les rois, Jésus, mais Jésus, tu peux oublier, je dis, moi, Jésus, te glace. Si je te ferai même, je te sens, je te connais, dis-moi, rêve-là, et donne-moi l'explication là. Ou quand tu as ça. Non, il faut une autre, me dire, comme ça. Car il y a un an dernier, pour que je ça, il me dit, ça, puis premier. Ça a pitié extraordinaire. Je vais quand même dire au mieux. Il dit comme ça, non, pas une chose en moi là. Par contre, je trouve regrettant. Mon Dieu, je peux oublier mon rêve. Donne-moi un rêve là et donne-moi l'explication. Il dit, si personne n'a pas de moi, il tue tout ce mensage. Et Daniel, c'est pour moi. Daniel a prié Dieu. Il dit à Dieu. Voilà une situation de détresse, mais toi qui connais la profondeur, donne-moi, montre-moi qui dit. Il gagne sa femme. Facile pour gagner. Non, presti, moi je fais un rêve. Moi je dis à vous comme ça, donne-moi l'explication, ça arrive. Mais mon père raconte tout. C'est un qui appelle lire la Bible. Lire la Bible, c'est rêve. Mais interpréter qui n'est pas pareil. C'est ça l'important. Lire tout le monde lire. Mais interpréter. Il dit à lui, mais interprète. Et donne-moi ça. Daniel dit à lui, donne-toi ton rêve. Il dit, non, donne-moi ça rêve là, ça va de tout pour moi. Daniel dit, moi, je ne peux pas qu'à donner à moi. Le Dieu qui compte tous les secrets, livre de nous. Nous, là, c'est que tu as, moi, je ne peux pas donner, Personne ne m'a pas dit, il dit, quand tu peux dormir, l'autre la tête, l'autre couche, il dit comme ça, tu ne fais un rêve, tu ne trouves une grande statue devant toi. Sa grande statue-là, c'est toi, ça. Sa statue-là, sur la tête, en haut. Il descend, quand tu es au poitrine, là, en l'argent. Il descend, il vient, il y a sa boucle-là en cuivre. En précision, là. Il y a sur les pieds, les mélanger avec fer, c'est-à-dire en cuivre, fer avec la terre. Après, il dit, ce 10 orteils, c'est-à-dire sur les doigts. Il dit, ça, la tête là, c'est toi, ça. Dieu ne révèle pas qu'il faut une dans le temps. Esther, la tête en haut, c'est lui. Esther, les bras. Représente les rois des Perses qui pour venir pour attaquer Israël. Sur le plan, le pays, les dieux, ça a la tête en haut là. Esther qui pour dévoiler. Daniel regagne les yeux. Daniel regagne les yeux. Il trouve quatre bébés de Saint-Dieu. Il trouve un bébé, premier bébé, qui a la tête et la tête d'un lion. Deuxième bébé, l'ours. C'est-à-dire l'ours représente Perse. Lyon représente les rois babyloniens. Remarque bien, quelle bande film babylonienne, remarquez tout le temps, je trouve, comment dire, la tête lion avec les ailes. Ça me donne une idée? Je trouve les ailes en lui. Et bien, ça, toi, ça. Après, ça, dernier royaume qui emballe la terre avec fer là. Qui s'en a un royaume? Ça n'a pas de Romain. Mais il dit, c'est moi, on trouve une ressortie là-bas, personne n'a même pas fini tirer. Ça ressort une tête à celle, il tape ça sur les pieds et il crasse cette statue-là. Ça ressort une grossie. Tu vois, frère,
quand mon père dit ça à la case, on dit bon Dieu, remets tout. Extraordinaire. Sa bébête qui lui trouvait la tête bébête à Banbeta, même affaire qui Daniel finit interprétable, même rêve ça. Là-bas, il y a un lion, il y a un loup, il y a un léopard. Après, il y a la bête. C'est un plus féroce. Les dents de fer. Ça même rôme là. Et Théa, il dit nous ça, il y a 10 cônes. Il y a la tête cassée. Là. Il dit il y a 10 cônes. Un cône n'a dents. Je connais quel cône faire. Il y a un autre qui cône les pommes. Il casse 3 les cônes. Et ça connaît dans la bouche. Qui fait pas là. Qui peut maltraiter nos bandits. Et ça dit qu'on a. Et présent, ça dit les doigts là-bas. Même vision gagnée, mais les doigts différents. Mais c'est moi-même qui tue. Pour vous dire, frère, ça la Bible, je tout qu'il a, il est rempli avec mystère. Il est rempli. C'est ça qui est bon. Quand nous prions, tout le temps, quand nous lire, nous devons les satisfaire. Amen. C'est le Saint-Esprit qui comprend ça. Amen. Sans le Saint-Esprit, frère, ne vous dire quelque chose qui habite pas ici. Amen. C'est ça qui donne prouver là, in Jésus, Israël, son fils, Seigneur Israël, Sana, c'est la personne de Jésus. Il montrait nous ça. C'est-à-dire qu'en cause son fils, c'est Israël, c'est Jésus. C'est-à-dire nous nous inconnons quand nous étions. Nous qui nous étions, nous sommes tous fils de Dieu. Comment comprendre tout fils devant Dieu? Mais Esther, c'est un fils. Elle comprend la tête cassée. Esther devant Dieu, elle dit, nous sommes tous les pouls. Là, ça a fait venir du madame. Pour la vie, madame, nous tous madame. Non, comprends-lui ces mystères. Là, ça, il finit là, il cause ce qu'il dit. Il dit, comment mes poules. Moi, je suis venu pour rassembler les autres, pour rassembler une poule. Une maman poule me rassembler les autres, pour ça. C'est une blague de mes poules. Du moins pour you. Et c'est une réalité. Les siens viennent en entier pour enseigner les hommes, frère. Qui veut les bébés dans nos niveaux, faire nous comprendre. Mais l'homme ne comprend pas. L'homme dit, bon, pas nous penser là. L'homme dit, il y a un il y a pris yon. Il y a un soleil, il est venu regarder la vidéo aussi. Il y a eu telles affaires, allez prier ça. C'est nous qui nous perdons. À cause de ça, qui nous vient retourner là, parole de Dieu. Là, Dieu, là, prier, là, prier, prier. Ban catholique, hein, comme ça, hein, qui gagne ça. C'est que j'avais prié, là, c'est juste là-bas, se désirer. Il trouve ça tout lit. Jamais de tout ça, pas de vrai, ça terre. Avant le YouTube, sa boucle qui me fait sa film là, il dit à ma toi, arrête à nous voir. Il dit à moi, je fais un film. Qui est le dernier, je m'en prends, il dit, on peut filmer pour tout aussi. Il saute dans l'auto pour taper du monde, il était à taper de tout. Il dit, tout bon personnage qui jouait dans Jésus-Christ de Nazareth. Ça, quelqu'un qui était avec Jésus, tu prends un coup de la croix là. Il s'est dans ce perroquet. Et où il y a un peu prié? Il y a un peu qui a sorti de typique Jésus. Vous pouvez trouver ça bougla ou? Où tout ça bougla? Jésus, c'est l'esprit. Il dit si nous connais auparavant comme ça, aujourd'hui nous ne connais pas comme ça, nous connais Dieu est l'esprit. Amen. Je t'oublie ça. Quand nous prions, c'est Dieu l'Esprit. Quand nous allons nous faire prier, nous faire adorer, le Saint-Esprit qui l'a. Ça n'a pas qu'à tout lire avec tout lire, ce néné, ce lisier. Non, non, pas comme ça. Tout lire pour la foi. Amen. Voilà. Nous gardons les yeux fermés. Seigneur mon Dieu Père, je te remercie pour vraiment tes paroles, Seigneur mon Dieu Père. Seigneur, nous sommes fils et filles vraiment dans ton royaume, Père. Seigneur, nous ne sommes pas des anges du haut, mais nous sommes des anges de la maison des cieux. Seigneur, Papa, étends la main à nous le cœur. Dirige-nous, guide-nous, Père, par ton Saint-Esprit. Fais-nous grâce pour comprendre les choses cachées, les mystères cachés dans ta parole, Seigneur.
Donne-nous la révélation de ta parole. Enseigne-nous, guide-nous, dirige-nous. Nous nous comprenons, Seigneur, mon Dieu Père. Qui vraiment touche à ma qui se l'impuyer là, Papa. Maintenant, vraiment, Seigneur de Dieu, nous, achetez tout ce qui va nous morcer, Seigneur. Papa, vraiment, mon Dieu, toi, merci. Devine-nous intelligence, non pas pour vivre charnellement, mais pour vivre dans l'obéissance et la crainte. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on va qui nous terminer, puis je vais te séparer. Tu as l'air faire une petite chose au moins, tu dois faire rayon au cerf. Je ne sais pas, demande-moi si je suis capable de faire la prière. En même temps qu'il veut faire la prière, nous, pour la mère, je vais penser si je suis capable. Bonne cause. Et avec un dé.